Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Ce soir, nous parlerons de l'astrologie et des nombreuses possibilités qu'elle nous offre pour une meilleure connaissance de nous-mêmes et de nos semblables. Dans un instant, parole à l'expert du jour. Monsieur Philippe Deschamps, bonsoir et merci de votre fidélité à notre émission. Alors, vous êtes conférencier officiel de l'Université de la Rose-Croix. Je précise que vous êtes au Bénin dans le cadre d'un séminaire de la Rose-Croix. Alors, qu'est-ce que c'est que l'astrologie? Eh bien, vous demander d'entrer ce que c'est que l'astrologie. Déjà, on peut dire que l'astrologie est une science très ancienne. Historiquement, elle remonte à la Chaldée ancienne, c'est-à-dire parmi les documents historiques que l'on possède, c'est à peu près le 6e siècle avant notre ère. Et on sait qu'à peu près toutes les civilisations, que ce soit en Extrême-Orient, au Tibet, en Afrique, dans les pays scandinaves, en Amérique, en Europe, tous les peuples ont utilisé l'astrologie, chacun avec une approche particulière. Alors l'astrologie, c'est construite à partir de ce que l'on appelle le zodiaque. Ouais. Le zodiaque avec les fameux 12 signes, je pense que la plupart de vos auditeurs connaissent. Ouais. Et l'astrologie, donc, permet, dans son approche, dans son étude, une meilleure connaissance, c'est son objectif, une meilleure connaissance de nous-mêmes, de ce qui nous entoure, de façon à avoir une vie plus efficace, mieux réussie. C'est un des objectifs de l'astrologie. En fait, elle est basée sur le système des anciens, le fameux « connais-toi toi-même ». Alors, ainsi définie, l'astrologie pose parfois, soulève quelques polémiques. Il y en a qui disent, mais bon, avant de sortir de chez moi, est-ce que je dois regarder l'horoscope et tout le reste? Est-ce que ça détermine ma vie ou si c'est juste une prévision qui peut être bousculée ou qui peut changer selon ma volonté ou à ma guise? Non, alors en réalité, les fondements de l'astrologie ne sont pas basés sur la prévision. L'objectif étant de bien connaître les cycles de l'existence. C'est-à-dire que là, on vient de parler des 12 signes du zodiaque, donc du bélier jusqu'au poisson. Donc déjà, la première chose, quand pour déterminer son signe du zodiaque et ce que l'on appelle son ascendant, quand on peut le calculer dans la mesure du possible, il vaut mieux connaître son heure de naissance, si c'est possible. Mais en tous les cas, déjà, ce qu'on appelle l'horoscope ou la carte du ciel est basé sur notre jour de naissance, notre heure de naissance et notre lieu de naissance. Bon, c'est pour ça que, d'une façon générale, dans le cadre de l'astrologie, on demande, il est préférable de connaître son heure de naissance la plus précise possible, de façon justement à dresser un horoscope ou une carte du ciel la plus précise possible, ce qui va permettre donc une étude et une interprétation plus précise des choses. Maintenant, comme je le dis souvent en conférence ou en séminaire sur l'astrologie, même si on ne connaît pas son heure de naissance, il est tout à fait possible d'utiliser l'astrologie. Donc déjà, quand on peut dresser ce qu'on appelle l'horoscope ou la carte du ciel, cela permet d'avoir des indications sur un certain potentiel dont on dispose. Oui. Alors, on revient donc à la carte du ciel. Qu'est-ce que c'est qu'une carte du ciel? Alors, une carte du ciel est dressée donc à partir de son jour de naissance, de son heure de naissance et de son lieu de naissance. Une carte du ciel, en fait, c'est un cercle. Oui. Ok, vous avez tous vu ça, c'est un cercle. Ce cercle, donc, à partir duquel on va positionner donc les 12 signes du zodiaque. À l'est, on va placer ce que l'on appelle l'ascendant. Par exemple, je ne sais pas. On va en parler tout à l'heure. Voilà, on va en parler. Et cette carte du ciel est divisée en 12 parties. Ce que l'on appelle des maisons. Ouais. Pour en reparler, si vous voulez, des maisons ou des secteurs de la vie qui sont très importants. Et donc, en fonction de notre jour de naissance, vont se répartir dans ces différents secteurs, dans ces différentes maisons, les 7 planètes traditionnelles, donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, auxquels on rajoute maintenant Uranus, Neptune, Pluton, c'est des planètes qui ne sont pas visibles à l'œil nu,
et quelques points fictifs dont on pourra peut-être parler, qu'on appelle la tête du dragon, la queue du dragon et la part de fortune. Voilà. Alors, on revient à l'ascendant, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un ascendant? Et comment on Alors, le détermine? qu'est-ce que c'est que l'ascendant? L'ascendant, en fait, alors je répète, pour pouvoir connaître son ascendant, il est nécessaire de connaître son heure de naissance, la plus précise possible. Alors déjà, l'ascendant, c'est une façon symbolique. C'est le, si on regardait à l'est au moment de votre naissance, c'est symboliquement le signe du zodiaque qui se lève à l'est au moment de votre naissance. Naissance. Et ce que j'explique souvent dans mes conférences, c'est, je donne un exemple particulier, quel que soit l'endroit du monde où vous naissez, que ce soit ici à Cotonou, que ce soit à New York, que ce soit à Paris, que ce soit à Tokyo, si vous naissez au moment de l'heure du lever du soleil, vous avez donc le même ascendant que votre signe solaire. Donc, prenons un exemple, je crois qu'actuellement, là on est le 1er février, je crois qu'actuellement le soleil en gros doit se lever vers 7 heures du matin ici à Cotonou, ok, 7 heures locales. Donc ça veut dire que les enfants, les petits-enfants qui sont nés ce matin dans les maternités ou les cliniques à Cotonou, à partir de 7 heures du matin jusqu'en gros vers 9 heures du matin, ils sont Verseau, ascendant Verseau. Ascendant 2 heures après, ils sont Verseau, Verseau, ascendant ascendant Poisson, Poisson. etc. L'ascendant ch change à peu près toutes les 2 heures. 2 heures. C'est pour ça que on demande généralement à avoir une heure de naissance précise. Et ce que l'on peut rajouter concernant l'ascendant par rapport au signe solaire, pour faire simple, disons que le signe solaire, par exemple si je suis Sagittaire, le signe solaire correspond plutôt à mon être intérieur, mon être plus intime, ce que je ne montre pas trop aux autres. Par contre, l'ascendant a beaucoup plus d'influence sur mon aspect physique, sur mon tempérament, sur mon caractère, sur la façon dont je communique avec les autres, sur la façon dont je m'alimente, etc. Donc souvent, il est plus facile, en regardant une personne, de reconnaître son ascendant que son signe solaire. Voilà, ça, c'est des règles générales. Voilà. Alors, on va revenir encore à un autre concept que vous aviez évoqué tout à l'heure, les maisons. Lorsqu'on parle du zodiaque, maison, une jusqu'à 12, C'est ça. alors ça signifie quoi quand on parle de maison en astrologie? Alors, quand maintenant, bon, c'est assez facile de faire les calculs mathématiques, on a des logiciels, ça va très rapidement quand on connaît son jour de naissance et son heure de naissance. Donc, comme je l'expliquais, la carte du ciel ou l'horoscope est divisée en 12 secteurs, ce que traditionnellement l'astrologie appelle les maisons. Donc, chaque maison a une, comment dirais-je, des implications particulières. Je vais aller très vite. La maison 1, ce qu'on appelle traditionnellement la maison 1, qui est à l'est, c'est l'ascendant. Donc, elle détermine notre tempérament, notre énergie vitale, elle a beaucoup de rapports avec la santé. Okay? La maison 2 est en rapport avec les acquisitions. D'abord, les acquisitions matérielles, l'argent. Mais aussi, ça peut être les acquisitions sur le plan intellectuel. En tous les cas, elle est en rapport avec elle détermine notre rapport à l'argent. La maison 3, elle, est en rapport avec notre intelligence, l'aspect cérébral, l'intellect, mais aussi les rapports que l'on peut avoir avec notre entourage, nos frères et sœurs, par exemple. La maison 4, donc ce qu'on appelle en astrologie, elle est au nord, c'est le fond du ciel. La maison 4 est en rapport avec notre famille, notre milieu familial, ethnique, social, etc. Et elle est souvent en rapport avec la fin de notre vie. La maison La maison 5, 4, là. Ça c'est la maison 4. ça, c'est la maison 4. Oui, la maison 5. La maison 5, ce sont les créations, donc d'abord nos enfants, les rapports avec nos enfants, mais l'art, etc. La maison 6 a un rapport souvent avec notre santé au quotidien, et le travail que l'on effectue pour se nourrir, travail alimentaire. Donc la maison 7 est en face de l'ascendant. La maison 7, l'ascendant, c'est le moi. La maison 7, en face, c'est l'autre. Donc tout d'abord le conjoint ou la conjointe avec laquelle on vit notre existence et nos rapports sur le plan social, par exemple. La maison 8 est en rapport traditionnel avec ce qu'on appelle la mort, mais aussi l'argent, mais l'argent lié à la mort, c'est-à-dire les legs, les héritages, etc. La maison 9, c'est les grands voyages. Alors, ces grands voyages peuvent être d'ordre intellectuel ou spirituel. Voilà. La maison 10, qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le milieu du ciel.
Donc un astrologue s'y réfère toujours quand on fait une orientation professionnelle. Ouais. Voilà, elle caractérise notre forme d'ambition dans la vie. La maison 11, c'est nos amitiés, les amis, les appuis que l'on peut avoir sur le plan social ou professionnel. Ouais. Et la maison 12, eh bien, elle est en rapport avec certaines souffrances, certaines épreuves que l'on peut avoir dans l'existence, en particulier, elle a un rapport avec la santé, en particulier en ce qui concerne les hospitalisations, par exemple. Hein, voyez. Et traditionnellement, on lui donne un lien avec ce que l'on appelle le karma. Ouais. Voilà rapidement, très rapidement. Donc, ces 12 maisons, en fait, englobent la totalité des aspects de notre existence. Ouais. Donc, c'est la totalité de la vie. Voilà. Lorsqu'on prend, par exemple, une carte du ciel, oui. On a des oppositions, on a des carrés, etc. Comment on explique ces aspects que l'on retrouve au niveau de la carte du ciel? Alors, effectivement, il existe entre les planètes oui. Des aspects. Alors, pour faire simple, mm-hmm. Il y a des aspects dits positifs. Oui. Les deux majeurs, c'est le sextile et le trigone. Mm-hmm. Et des aspects, j'aime pas dire négatifs, mais plutôt... qui bloque, bon, disons négatif pour faire simple. Essentiellement, le carré et l'opposition. Et il y a un autre aspect important qui peut être positif, mais qui peut être aussi négatif, c'est la conjonction. Ouais. Alors, prenons d'abord les aspects positifs. Ouais. Le trigone, c'est quand il y a 120 degrés entre deux planètes. Ouais. Et donc, trigone, ça vient, il y a triangle, donc on peut avoir, par exemple, dans un thème, trois planètes qui sont rejointes par des angles de 120 degrés. Et donc, ce qui forme un trigone, ou un grand trigone, ça, c'est très favorable. C'est-à-dire, ça nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, surtout si c'est dans l'élément feu, par exemple. Donc, c'est un très, très bon point dans notre existence. On va pouvoir toujours s'y appuyer. Le sextile, 60 degrés entre deux planètes. Là aussi, c'est favorable. Ça nous aide dans la vie. Les choses sont plus faciles à réaliser. En ce qui concerne les aspects négatifs... Donc, tout d'abord, le carré. Le carré, c'est 90 degrés entre deux planètes. Là, il y a une sorte de blocage. Ça va être plus difficile de réaliser certaines choses. Il y aura quelques obstacles. Il va falloir travailler, se battre. Ça sera moins facile. Un aspect négatif majeur, c'est l'opposition. 180 degrés, c'est-à-dire les planètes se font face à face. Donc là, même chose. Il y a des blocages, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Il va falloir se battre. Dans certains aspects de notre existence. D'accord ? Alors, pour ce qui est de la conjonction, c'est quand deux planètes sont très proches l'une de l'autre. Soit elles sont véritablement au même degré du signe, mais on peut accepter ce qu'on appelle une orbe jusqu'à 4-5 degrés d'écart. Alors, la conjonction, des conjonctions peuvent être très favorables. Par exemple, si on a une conjonction Soleil-Jupiter, qui est ce qu'on appelle dans la tradition très bénéfique. Donc là, c'est vraiment une grande aide dans l'existence. Surtout si, par exemple, on l'a dans la maison 10, le milieu professionnel, on aura toujours de la chance dans ce domaine. Il y a des conjonctions qui sont plus bloquantes, qui créent des obstacles. Par exemple, si on a des conjonctions entre Mars et Saturne, dans certains signes, à certains endroits du thème, là c'est un blocage, c'est un obstacle, ça va être difficile de réaliser certaines choses, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça sera beaucoup plus difficile. Et puis il y a des conjonctions qui sont neutres, par exemple certaines conjonctions entre Mercure et Vénus, ou Mercure et la Lune, qui sont ni forcément positives, ni forcément négatives. Donc voilà rapidement... l'essentiel de ce que l'on peut appeler les aspects en astrologie. Et quand vous dressez une carte du ciel avec un logiciel, automatiquement, le logiciel vous présente tous les aspects entre les planètes. Ouais. Mais lorsqu'on a tous ces aspects-là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour changer la donne? Alors déjà, la difficulté en astrologie n'est pas de dresser un thème, puisque maintenant c'est encore plus facile, il y a les logiciels. Oui, logiciel pour ça. Comme je dis souvent, moi, dans le temps, quand j'ai commencé l'astrologie, il n'y avait pas de logiciel, donc il fallait faire des calculs compliqués, les tables de logarithmes, les nombres complexes, etc. Donc beaucoup abandonné parce que... voilà. C'était compliqué. Ah, c'était compliqué, voilà. Bon. Ou on faisait faire les calculs par quelqu'un d'autre. Bon, enfin bon. Maintenant, c'est facile, il suffit de rentrer les bonnes données. D'ailleurs, pour vos auditeurs, je précise... quand vous rentrez votre heure de naissance, vous rentrez toujours l'heure locale. Vous n'occupez pas des heures GMT, etc. Donc, je prends un exemple. Si vous êtes né, par exemple, à 8 h du matin à Cotonou, vous rentrez 8 h
Le logiciel fait les calculs, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, à partir de là, comment dirais-je, il n'y a rien d'inéluctable. C'est-à-dire que la difficulté en astrologie, ce n'est pas de dresser la carte du ciel, mais ça va être l'interprétation. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez compris, les signes du zodiaque, les planètes, les aspects entre planètes sont des symboles qu'il va falloir décoder et interpréter. Donc là, ça ne se fait pas en quelques heures de travail ou un week-end. Pour vraiment intégrer les principes fondamentaux de l'astrologie, c'est des années et des années de travail. Voilà. Donc là, il faut la compétence d'un astrologue, à la fois dans sa connaissance des signes, des planètes, mais aussi il faut une certaine intuition. Il est clair qu'un bon astrologue, c'est d'abord quelqu'un qui a un très bon esprit de synthèse, qui sait tout de suite, en regardant un thème, voir les aspects majeurs, les points majeurs du thème, et donc aller chercher là-dedans ce qui va vraiment être utile à l'individu et comment il va pouvoir l'utiliser. Rien n'est écrit à l'avance. Il y a ce qu'on appelle le libre arbitre, pour en revenir. Chaque individu a plus ou moins, je dirais, de libre arbitre, mais en tous les cas, il n'y a pas de choses absolument inéluctables, absolument fatalistes. Il faut écarter de ça du système astrologique. Et grâce à la volonté, on peut, affronter tout ce qu'on considère comme étant infranchissable. Oui, parce que souvent, comme je le dis, quand on voit par exemple des thèmes de naissance, de personnalité très importantes, que ce soit dans le cadre de la politique, de l'économie, des sciences, de l'art, etc., beaucoup de ces grands hommes ou de ces femmes avaient des thèmes de naissance a priori très difficiles, avec des carrés, des oppositions, des difficultés, etc. Et leur personnalité était telle que leur évolution personnelle était telle que par la volonté, par la détermination, eh bien, ils ont réussi à dépasser tout ça. Je vais prendre un exemple concret. Concernant l'astrologie et la santé, parce que l'astrologie touche à tous les domaines de l'existence, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, sentimental, éducation. Je prends un exemple. Chaque partie de notre corps, symboliquement, correspond à un signe du zodiaque. Ok. Bon, je ne fais pas le détail ici, mais prenons l'exemple du lion. Bon, le lion correspond symboliquement au cœur et au dos. Bon. Généralement, on dit à quelqu'un qui est très marqué par le signe du lion, par exemple, lion, ascendant lion, beaucoup de planètes dans le lion. On lui dit, attention, fais attention sur le plan professionnel, si tu as une profession qui demande beaucoup d'énergie, qui te fatigue beaucoup, etc., fais attention au stress. Fais attention au stress. Pourquoi ? Parce que l'un des points fragiles de ton corps, c'est le cœur. On dit souvent, par exemple, un cancer où le point faible, c'est plutôt l'estomac. On lui conseille souvent d'adapter son régime alimentaire. Pourquoi ? D'abord, c'est bon pour personne, mais surtout pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il risque d'avoir des gros problèmes d'ordre digestif. Ce n'est pas inéluctable. Ce n'est pas parce qu'on est cancer ou marqué par le cancer qu'on va avoir des problèmes d'estomac ou des problèmes digestifs. Mais il faut gérer sa vie en fonction de ça. Voyez. Donc, en fait, ça permet de mieux, en se connaissant mieux nous-mêmes, eh bien, ça permet de mieux gérer sa vie. Voilà. Alors, on va revenir maintenant aux quatre éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu, qui ont forcément des liens avec l'astrologie. Oui, alors effectivement, traditionnellement, l'astrologie distingue quatre éléments fondamentaux, ce qu'on appelle les principes en astrologie, donc le feu, la terre, l'air et l'eau. Très rapidement, le feu est symbolisé dans le zodiaque par les signes du bélier, du lion et du sagittaire. Donc, en règle générale, quand la majorité de nos planètes sont dans des signes de feu, donc dans l'un de ces trois signes, bélier, lion, sagittaire, quelqu'un qui est marqué par l'élément feu, c'est toujours quelqu'un d'actif, de dynamique, d'entreprenant, qui aime prendre les choses en main, etc. Donc ça donne beaucoup d'énergie, en particulier d'énergie vitale. Donc il y a des qualités, si je puis dire. Mais il y a quelques défauts. Les défauts, c'est que, eh bien, on agit souvent avant de réfléchir. Voilà. Donc il faut gérer cette énergie vitale qu'est le feu. La Terre est exprimée par le taureau, la Vierge et le capricorne dans le zodiaque.
Donc la Terre, c'est quelque chose de solide, de quantifiable, élémentaire. Alors par exemple, les gens qui sont marqués par des signes de Terre, taureau, vierge ou capricorne, ce sont des gens en général très concrets, qui ont, comme on dit, les pieds bien sur Terre, qui analysent les choses, qui structurent, qui organisent. Voilà. Alors la difficulté dans cet élément, ça c'est des bonnes qualités, mais en contrepartie, souvent, ça peut donner des gens un peu trop matérialistes, qui sont un peu trop attachés à l'argent, ou qui sont très rigides sur le plan, psychologique. Ouais. Vous voyez, ils ont du mal à changer. Maintenant, on va parler de l'élément R. Oui. L'élément R est exprimé par les Gémeaux, la Balance et le Verseau dans le zodiaque. Alors, l'élément R, en fait, quand on est marqué par l'élément R, quand il est dominant, on aime communiquer, on aime parler. Un peu, pourquoi? Parce que l'air, quelque part, symboliquement, c'est le lien entre l'esprit, la terre, etc. Donc on aime communiquer, on aime échanger. Peut-être que vous êtes marqué par l'élément air, puisque vous communiquez beaucoup par la télévision. Enfin, les gens de communication sont marqués par l'air. Donc on aime les échanges, on aime discuter, échanger des idées, tant sur le plan social, sur le plan intellectuel, etc. Alors, c'est très bon. Le côté, disons, un peu plus négatif, c'est qu'on peut être trop communicant, si je puis dire, faire trop de communication. Donc il va falloir gérer tout ça. Et il va falloir gérer ses idées, gérer son idéal, par exemple. Et l'élément O, donc exprimé par le Cancer, le Scorpion et les Poissons, donc quand on est dominé par l'élément O, avec dominante de planète dans ses signes, là, ça donne beaucoup d'intuition. Une grande sensibilité, voire parfois une hypersensibilité. Donc on sent les gens, on sent les choses. Ça donne beaucoup d'empathie également, beaucoup de capacité d'écoute. Dans les aspects un peu plus négatifs, on est un peu trop passif, à la différence des signes de feu. Donc on a tendance à trop de passivité et pas assez d'action. Donc voilà rapidement, si vous voulez, ce qu'on peut appeler en astrologie l'alchimie des éléments, la façon dont ça se marie. Alors, il y a justement, dans le cas de l'alchimie des éléments, il est évident que il y a des éléments entre eux qui sont dynamisants. Je prends un exemple, entre deux personnes. Par exemple, quelqu'un qui est très marqué par l'élément feu va très très bien s'entendre avec quelqu'un qui est très marqué par l'élément air. Oui. Pourquoi? Parce que l'air dynamise le feu. Donc, il y a une bonne communication entre eux, tout se passe très bien. Oui. De la même manière, si vous avez quelqu'un très marqué par l'élément terre, il va bien être il va y avoir un bon complément avec quelqu'un marqué par l'élément eau, parce que symboliquement, l'eau nourrit la terre. C'est plus difficile entre l'eau et le feu. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais il y aura plus de conflits, plus de difficultés. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on connaît, soit par le signe solaire, soit par l'ascendant, par la répartition des éléments, par exemple des gens de notre famille, ou dans notre travail, effectivement, vous n'allez pas communiquer ou parler de la même manière à quelqu'un qui est marqué par le lion, quelqu'un qui est marqué par le scorpion, quelqu'un qui est marqué par le taureau, etc. Vous allez vous adapter. Voilà, on ne dit pas la même chose, on ne donne pas des consignes de la même manière à un lion qu'à un scorpion, qu'à un poisson. Non. Voilà, pour caricaturer, voilà. Et on va parler maintenant des trois forces cardinales. Alors, effectivement, il y a aussi en astrologie les signes du zodiaque, donc sont séparés, sont divisés en quatre éléments, et ce qu'on appelle trois forces. La force dite cardinale, comme un cardinal, la force fixe et la force mutable. Alors, les signes cardinaux, en fait, c'est les signes du bélier, du cancer, de la balance et du capricorne. Par exemple, dans les pays tempérés, c'est le début des saisons, ça correspond aux signes cardinaux, enfin, ce qu'on appelle les quatre points cardinaux. Donc c'est des signes d'élan, de commencement. Voilà. Par exemple, dans les pays tempérés, Bélier, c'est le début du printemps, Cancer, le début de l'été, etc. Donc il y a une notion d'élan dans les signes cardinaux. Donc par exemple, quand on est très marqué par les signes cardinaux, on a la capacité à s'assumer soi-même. On aime prendre les choses en main, on aime prendre les choses, les rênes de sa vie. Et on a cette capacité souvent à entreprendre. Donc ça, c'est bon. Les signes fixes. Alors les signes fixes, c'est le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Alors les signes fixes, eux, c'est dans la symbolique des saisons, par exemple, c'est là où la saison est pleinement installée. Par exemple, dans les pays tempérés, le taureau, c'est la pleine saison du printemps.
le lion, la pleine saison de l'été, etc. Donc sur le plan psychologique, par exemple, quand on est très marqué par les signes fixes, on aime les choses stables, sécurisantes. On n'aime pas trop changer. Hein. On est difficilement adaptable. Maintenant, ouais. On est solide. Hein, quand on est marqué par ces signes, on a une bonne structure, une bonne matérialité qui est nécessaire dans la vie. Voilà. Mais il y a une rigidité sur le plan psychologique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les signes maintenant dits mutables. Mutable. On les appelle aussi les signes doubles. Pourquoi ? Mm-hmm. Parce qu'il y a une sorte de dualité ouais. en eux, donc Gémeaux, mm-hmm. Vierge, Sagittaire et Poissons. Ouais. Alors, les signes mutables, eux, il y a deux tendances. C'est-à-dire que, par exemple, dans la symbolique des saisons, c'est la fin d'une saison. Prenons le cas du Gémeaux, c'est la fin du printemps, mais c'est presque l'été. Par exemple, la Vierge, c'est la fin de l'été, mais c'est presque l'automne. Donc, il y a une notion d'adaptabilité, de mouvement dans les signes mutables. Quand on est marqué par les signes mutables, par exemple Gémeaux, mm-hmm. On est très adaptable, ouais. On est souple. Rien à voir avec les signes fixes. Donc, on a une capacité à rebondir, à s'adapter aux choses, une grande souplesse. Alors, bien sûr, le côté négatif, c'est qu'il peut y avoir de l'instabilité ouais. sur le plan psychologique. Mm-hmm. Donc, voilà, vous voyez, quand on connaît bien la symbolique donc, des forces en astrologie oui. mm-hmm. et des éléments, oui. ça permet d'avoir pas mal de... Et chaque signe, donc, correspond à un élément et à une force. Alors, on va ramener tout ça là maintenant dans le cadre d'un développement spirituel. Comment on peut actionner toutes ces forces, tous ces éléments pour un meilleur épanouissement spirituel? Alors, justement, l'astrologie, alors, non seulement est un outil de connaissance de soi sur le plan pratique, ouais. dans notre vie quotidienne, ouais. mais aussi, évidemment, dans le cadre d'un développement spirituel, comme j'essaie de l'expliquer dans un séminaire. L'objectif, en fait, les fondements de l'astrologie sont basés sur ce que l'on appelle l'alchimie spirituelle. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on est là, dans cette vie, nous ne sommes pas parfaits, tous, autant qu'on est, nous avons des défauts, et l'objectif, justement, pour atteindre un état d'épanouissement spirituel total, comme ont pu l'être le Christ, le Bouddha, Mahomet, Moïse et d'autres. On a tout ce potentiel, mais c'est de transformer nos défauts dans la qualité opposée. Je vais prendre deux, trois exemples concrets, par exemple. Prenons l'exemple du lion. Bon, sans être caricatural, en règle générale, j'ai bien en règle générale, ouais. par exemple, quelqu'un qui est très marqué par le lion... Il aime mettre son ego en avant. Mmh. C'est moi-je, il aime commander, quel que soit son niveau intellectuel ou social, il aime se mettre en avant, etc. Donc, il va falloir travailler ça. Donc, il a tendance, je dirais, tendance à avoir un peu trop d'orgueil et d'égocentrisme. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il travaille? Il ne faut pas qu'il essaye d'éliminer le défaut, ce n'est pas possible, sinon il va le renforcer. Donc, il va falloir travailler l'humilité. Il va régulièrement, il va devoir essayer de se mettre légèrement en retrait, laisser parler les autres, les laisser agir, etc. Et au contraire, ces qualités qu'il peut avoir au niveau de la noblesse, de la loyauté, il peut les mettre au service d'une œuvre dans sa vie professionnelle ou sociale. Je prends par exemple, prenons un autre exemple, le Capricorne par exemple. Bien sûr, je suis général, je prends des exemples généraux, mais le Capricorne, d'une façon générale, quelqu'un qui est très marqué par le Capricorne, c'est quelqu'un qui est assez rigide, qui, par exemple, est assez distant dans la vie. Souvent, un ascendant Capricorne, quand on ne le connaît pas, il paraît assez froid, assez distant, alors qu'il a beaucoup de sensibilité. Mais enfin, c'est ce qu'il montre. Donc, il est assez rigide, il manque de souplesse. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que quand il a des problèmes d'ordre psychosomatique, il a des raideurs au niveau des articulations, des genoux, etc. Bon, enfin, disons que ce Capricorne qui correspond au squelette, à quelque chose de solide, oui. eh bien, il peut, dans un sens positif, le mettre justement au service d'un travail, d'une œuvre de longue haleine dans sa vie. Il peut, par exemple, au sein de sa famille, être toujours la référence, le support, celui qui tient ou celle qui tient sa famille, parce que c'est quelqu'un de solide, c'est comme un roc, si vous voulez. Donc, il peut transformer certains de ses défauts en des qualités qui vont permettre aux autres de s'améliorer, d'exister, etc. Donc c'est en ce sens qu'on parle d'alchimie spirituelle. C'est-à-dire que nous devons travailler nos défauts. Et surtout aussi,
mieux connaître nos talents. Nous avons tous des talents naturels que malheureusement nous ne connaissons pas. Certains ont des talents dans le domaine, je ne sais pas, moi, économique, scientifique, artistique, éducatif, etc. Et on ne les emploie pas assez. Donc bien connaître ses talents, c'est un des objectifs de l'astrologie. Et quand on sait, on a tous un ou deux talents particuliers, ouais. Quand on a mis le doigt sur ces talents, et l'astrologie aide à ça justement, surtout ouais. Par exemple dans le domaine de l'éducation, hein, quand on a des enfants, des adolescents, pour leur orientation professionnelle par exemple, ne pas se tromper dans l'orientation professionnelle. Et justement, ça va permettre de développer ces talents qu'on a en nous et de s'épanouir, à la fois évidemment sur le plan social et émotionnel, mais surtout sur le plan spirituel. Alors, on va parler maintenant de l'astrologie et le libre arbitre. Alors, souvent, effectivement, une des critiques qu'on avance concernant l'astrologie, on dit « oui, mais tout ça, c'est écrit à l'avance, c'est fataliste ». Non, pas du tout. Bon, je pense, là je donne mon avis personnel, ouais. Je pense que effectivement, il y a des choses qui sont écrites à l'avance. Si vous êtes né... Auquel on ne peut rien du tout. Voilà. Et si, par exemple, vous, je ne sais pas, vous êtes peut-être né à Cotonou, ouais. Moi je suis né en France, donc nous naissons dans un milieu particulier, mmh. Avec un corps particulier d'hommes ou de femmes, avec un milieu familial spécifique, dans un monde culturel qui diffère. Ça, on ne peut pas changer. Non, ça, on ne peut pas. Bon, alors est-ce qu'il y a l'idée... On avait parlé de la réincarnation l'autre jour, bon... Ouais. Bon, ça c'est une autre question, mais si on adhère à l'idée de la réincarnation, on comprend mieux pourquoi. Bon, enfin, tout ça se passe, oui. Voilà. Mmh. Mais enfin, en tous les cas, ça on ne peut pas le changer. Je dirais ça c'est le cadre. Ouais. C'est un peu, je compare ça souvent à une pièce de théâtre. Je dis, ben, dans une pièce de théâtre, il y a un décor qui est planté, oui. L'acte 1, l'acte 2, on y touche pas. Bon. Mais la façon dont on va utiliser le décor, la façon dont on va utiliser nos talents, nos qualités, la façon dont on va évoluer dans ce milieu, ouais. Avec cette famille, avec la culture ambiante, ouais. La langue qu'on parle, etc. Ouais. Ça, c'est pas écrit à l'avance. Et c'est là où réside le libre arbitre. Et je crois que plus on avance sur le chemin spirituel, plus on dispose de libre arbitre. Et c'est là où, justement, on peut, quelque part, changer les choses dans notre existence. Ouais. Justement, par la puissance de la détermination, du courage et de la volonté, parce qu'on dispose du libre arbitre, rien n'est jamais écrit à l'avance. Alors, on peut avoir, comme j'explique souvent, on peut vivre des expériences douloureuses dans la vie. Bon, est-ce qu'elles sont écrites à l'avance ou pas? Ça, c'est une autre question philosophique. Mais, enfin, disons, on peut, par exemple, avoir un accident grave, on peut avoir une maladie grave, perdre un enfant, voilà. Donc, l'épreuve est là. Maintenant, ce qui compte, ce n'est pas l'épreuve en elle-même, mais la façon dont on va vivre l'épreuve, comment on va la ressentir et qu'est-ce que l'on va en sortir dans l'existence. Qu'est-ce que ça va nous faire prendre conscience. C'est ça qui est important. Et c'est là où réside le libre arbitre. À la base, rien n'est déterminé. J'ai pas dit ça. Si, ce qui est déterminé... Moi, je pense que ce qui est déterminé... Donc là, si je mets ça dans le cadre, par exemple, du principe de la réincarnation, je pense qu'on ne naît pas par hasard dans n'importe quel milieu, dans n'importe quelle famille, etc. Certains, physiquement, sont plus grands, d'autres plus petits, certains sont plus beaux que d'autres, certains ont plus d'énergie vitale, certains ont un intellect plus puissant, d'autres ont beaucoup plus de sentiments d'ordre émotionnel, ressentent mieux les choses, etc. En ce sens... On peut dire que là, il y a une forme de détermination. Maintenant, comme on l'expliquait, ce qui n'est pas déterminé, c'est la façon dont on va utiliser ce que je peux appeler des outils. Ce sont des outils qui nous sont donnés, le temps d'une existence. Ouais. Lorsqu'on prend, par exemple, l'élémentaire, oui. Quelles sont les caractéristiques générales de l'élémentaire? Et lorsqu'on est dans les interactions humaines, comment aborder... des partenaires interlocuteurs qui sont de ce signe-là. Alors, l'élémentaire, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, donc ouais. Taureau, c'est surtout les signes du taureau, vierge et capricorne ouais. qui expriment l'élémentaire. Oui, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, dans notre thème astral, l'un de ces trois signes est puissant, ouais.
par le signe solaire, par l'ascendant, ou si l'on a plusieurs planètes dans un signe, ouais. trois ou quatre planètes dans un signe de terre. Ça veut dire que même si on est avancé sur le plan spirituel, il n'y a pas de contradiction, hein, ça veut dire qu'on est quelqu'un de concret, de pragmatique. Ça veut dire qu'on a toujours tendance, même si on a des idéaux d'ordre philosophique ou spirituel, on veut les mettre en pratique. C'est ça. On veut les réaliser concrètement. Exactement. Donc, je parle bien sûr pour des gens relativement avancés ou évolués, même intellectuellement. Oui. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est marqué par l'élémentaire, oui. c'est quelqu'un qui va toujours analyser les choses. Par exemple, on va lui donner un dossier, il ne va pas se lancer à corps perdu. Non, non, il va analyser, il va décortiquer, surtout la Vierge par exemple. Il va bien décortiquer les choses, bien noter tout ça, il va prévoir les choses à l'avance. Par exemple, le Capricorne, il prévoit très longtemps dans le futur, il planifie. Donc c'est des gens qui sont très concrets. Donc, prenons dans la vie courante. Si par exemple vous êtes dans une équipe, vous travaillez avec une équipe, okay, peut-être vous travaillez avec une équipe, vous avez des collaborateurs et vous avez un dossier un peu compliqué à donner à l'un de vos collaborateurs. Donnez-le à quelqu'un marqué par les signes de terre. À quelqu'un de la Vierge ou du Taureau, qui sont des gros travailleurs, ouais. ou un Capricorne, parce que vous êtes sûr que le dossier sera vraiment analysé, décortiqué et appliqué. Ne le donnez pas à quelqu'un qui est marqué par des signes d'air. Il a d'autres qualités. Ouais. Vous voyez, ça permet d'éviter des erreurs. Si, par exemple, vous avez, vous êtes dans la communication, si vous avez besoin par un de vos collaborateurs, vous avez besoin que ce collaborateur communique, par exemple, je ne sais pas, moi, avec d'autres radios, d'autres télés, essaye de lier des contacts, de nouer des contacts, voilà, avec d'autres journalistes, etc. Prenez un Gémeaux. Ils sont très très forts pour ça, parce qu'ils sont marqués par Mercure et ils font très facilement le lien avec les autres et ils ont la parole facile, persuasive, etc. Donc ça permet justement, quand on connaît tout ça, eh bien de donner les bons dossiers aux bonnes personnes. Alors si on passe maintenant élément haut, par exemple. Alors l'élément haut, ben justement, quelqu'un qui est, les gens qui sont très marqués par l'élément haut, c'est des gens qui ont beaucoup d'intuition. Donc par exemple, Cancer, Scorpion, Poisson, surtout le Poisson, par exemple, c'est des gens qui, quand on est très marqué par le Poisson, on a beaucoup d'intuition. Ou par exemple, quand on est très marqué par le Scorpion, on sent les gens. Donc imaginons qu'on ait des contrats à réaliser dans la vie, des contrats professionnels par exemple. Puis on a des doutes, on n'est pas sûr du fondement du contrat, ou on a un doute sur l'interlocuteur qui veut nous faire signer le contrat. Vous pouvez être sûr que quelqu'un qui est marqué par le Scorpion ou par le Poisson, il va sentir la chose. Son intuition va lui dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Et c'est en cela que l'élément eau peut donner certaines qualités très 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 utiles. Par exemple, quelqu'un quand on est très marqué par l'eau, oui. même si on a un métier, je sais pas, comme le vôtre mm-hmm. ou même comme le mien, etc., souvent, quand on a l'élément eau puissant, on a une grande sensibilité. Donc, par exemple, l'art, la peinture, la musique, beaucoup de musiciens sont marqués par l'élément eau. Oh. Vous voyez, la poésie. Donc, c'est l'art peut permettre justement d'exprimer tout son ressenti, toute cette hypersensibilité que l'on a. Et maintenant, on va passer à l'élément feu. Alors, l'élément feu. Alors là, pour l'élément feu, j'en parlais tout à l'heure, Bélier, Lion, Sagittaire, quand l'élément feu est très puissant, il y a les qualités, on est très entreprenant. On n'a pas peur d'entreprendre les choses, de démarrer de nouvelles choses. Par exemple, quelqu'un qui est marqué par le Bélier, quand on travaille avec des gens qui sont marqués par le Bélier, il faut leur confier des dossiers, par exemple, un peu difficiles pour combattre les obstacles. Ils n'ont pas peur, ils n'ont peur de rien, donc ils y vont, ils ont du courage, de l'esprit d'initiative, etc. Bon, ils n'écoutent pas tellement les autres, hein, mais il faut les utiliser dans le bon côté. Bon, ils peuvent paraître un peu brutaux comme ça, extérieurement. Oh, oui, il m'a parlé comme ci, il m'a parlé comme ça, mais ils ont d'autres qualités qu'il faut utiliser. Faut pas les enfermer dans un bureau. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà, il faut qu'ils puissent sortir et puis mettre en œuvre leur qualité. C'est ça.
On passe au lion, par exemple, toujours dans l'élément feu. Alors, le lion, bon, alors le lion, en général, bon, quel que soit quand on est très marqué par le lion, quel que soit son niveau social, hein, que l'on ait fait des études ou pas, on a, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand on est marqué par ce signe, on aime être mis en avant. Bon, ça peut aller du chef de rayon, si vous voulez, dans une petite entreprise alimentaire, à un directeur de société, voyez, enfin, quelqu'un qui dirige un groupe. Bon. Donc, un lion, s'il n'est pas quelque part, si on ne lui donne pas une certaine autorité, ou s'il n'a pas une certaine autorité, il va être malheureux. Il va souffrir. Donc, il faut, quand on connaît des gens marqués par le lion, il faut les valoriser. Toujours. Jamais, jamais humilier un lion. Jamais. Il faut les valoriser, leur dire que telle ou telle chose a été bien faite. Et d'une manière générale, tôt ou tard, ils arrivent à des postes de commandement. Mais il y a aussi le fait que, quand on est marqué par le lion, on peut aussi exprimer son potentiel, c'est-à-dire son ego, à travers, par exemple, le théâtre. C'est des gens qui aiment la danse aussi, qui aiment les arts, qui aiment la danse, qui adorent les enfants. Voyez? Donc, il y a plusieurs aspects que l'on peut mettre en exergue avec ce signe. On va revenir sur un concept qu'on avait évoqué au niveau de la carte du ciel, les nœuds, nœuds de dragon et autres, etc. Ça signifie quoi? Alors, dans une carte du ciel, il y a ce qu'on appelle les planètes. J'en ai Oui, on parlé, a déjà ok. parlé. Petite précision, en astrologie, s'il y a des astronomes qui nous écoutent, ou des scientifiques, en astrologie, le Soleil et la Lune sont considérés comme des planètes, symboliquement, mais ce ne sont pas des planètes. Voilà, tous les astrologues le savent. Le Soleil est une étoile et la Lune est le satellite de la Terre. Bon. Alors, il y a ces 10 planètes jusqu'à Pluton. Et il y a ce qu'on appelle les points fictifs. C'est-à-dire, ça n'existe pas réellement, okay, comme les planètes. Par exemple, ce qu'on appelle la tête du dragon et la queue du dragon, les nœuds lunaires, ce sont lorsque la Lune, l'orbite de la Lune coupe l'écliptique, je ne veux pas être trop compliqué, l'écliptique du Soleil en 2 endroits. C'est ce qu'on appelle le nœud nord. Donc au nord, c'est la tête du dragon, et le nœud sud, la queue du dragon. Si les auditeurs voient, bon, c'est symbolisé, la tête du dragon est symbolisée comme ça dans un thème, et la queue du dragon par ce signe. Elles se font face. Okay? Symboliquement, la tête du dragon symbolise le but ou la mission que l'on a dans l'existence. C'est-à-dire que quelque part, ceux qui connaissent leur thème ont qu'à regarder, la maison, c'est-à-dire le secteur du thème dans lequel se trouve la tête du dragon, est quelque part ce vers quoi l'on tend dans l'existence. Je prends un exemple. Si on a la tête du dragon, par exemple, en maison 7, la maison 7, ça correspond aux conjoints ou les associations. Ça veut dire que quelque part, on a en nous ce désir, même si on n'a pas conscience forcément, on a en nous ce désir d'avoir de bonnes associations et surtout d'être, par exemple, heureux en ménage, voilà, avec le conjoint. Si, par exemple, on a la tête du dragon dans la maison 10, quelque part, si on n'a pas réussi sur le plan social ou professionnel, on va être malheureux. Donc c'est ce vers quoi l'on tend. Et symboliquement, la queue du dragon, le nœud sud, c'est toujours dans le cadre de la réincarnation, c'est ce que l'on amène du passé. Alors il y a un autre point fictif très important qu'on appelle la part de fortune. Part de fortune, si dans vos thèmes vous regardez, ça se représente par un cercle et une croix au centre. Donc ça se calcule automatiquement, les logiciels le font, la position du soleil, de la lune et de l'ascendant. Alors part de fortune, souvent on entend fortune, on pense argent, pas du tout. Fortune, ça vient de fortuna en latin, le destin. Le destin. Donc, même chose, la part de fortune peut se trouver dans l'une des 12 maisons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous tous, quels que soient les gens, nous avons tous, dans un secteur de notre vie, une part de chance. Donc, si par exemple, la part de fortune se trouve dans la maison 1, dans l'ascendant, ça veut dire que nous aurons toujours une part de chance au niveau de notre énergie vitale, de notre santé, etc. Ça se passera bien. Si par exemple nous avons la part de fortune dans la maison 7, il est fort à parier que nous serons heureux toujours en ménage, dans le mariage ou autre. Si nous l'avons par exemple en maison 11, ça veut dire que toujours à un moment de notre vie, on aura des amis,
des appuis qui nous aideront sur le plan social ou professionnel. Par exemple, si on l'a en maison 2, ça ne veut pas dire qu'on sera riche, forcément, mais on ne sera jamais, on ne manquera jamais d'argent, on ne sera jamais pauvre, voilà, etc. etc. D'accord. L'astrologie, c'est un langage. Langage symbolique, et effectivement, la difficulté, c'est qu'il va falloir décoder des symboles, des signes, des planètes, etc. Et comme le dit la fameuse injonction traditionnelle, astra inclinante non nécessitante, c'est-à-dire les astres inclinent, mais n'obligent pas. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut dire en conclusion. Merci Philippe Descherons, conférencier officiel de l'Université de la Rose-Croix. Merci de nous apporter ces précisions formidables sur l'astrologie. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très 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 bientôt.